voilà plus d'un an que les fans de Demain nous appartient réclament inlassablement son retour. Mais ils vont devoir se faire une raison. Comme confirmé par la productrice aux fans qui l'ont interrogé, Geoffrey Platel ne reprendra jamais le rôle de Bastien dans Demain nous appartient. L'acteur, qui a quitté la série en février 2018, ne sera jamais de retour. Je sais que je vais briser des cœurs, mais Bastien ne va pas revenir dans la série. Aujourd'hui, Victoire vit une autre histoire d'amour avec Georges. Il faut faire une croix dessus, a ainsi expliqué Sarah Faramand. Présent dès le premier épisode de Demain nous appartient en juillet 2017, Geoffrey Platel avait rendu sa blouse en février 2018. Son personnage, qui était médecin à l'hôpital Saint-Clair, était victime d'un accident de voiture qui l'avait plongé dans le coma. Il avait alors été transféré à La Rochelle, et laissait Victoire, Solène Hébert, inconsolable. Depuis, les téléspectateurs sont sans nouvelles de l'état de Bastien. Est-il vivant, est-il mort, ou est-il toujours dans le coma? Le mystère demeure. Et demeurera encore. Les départs se suivent. Geoffrey Platel est le premier comédien historique à avoir quitté la série Demain nous appartient. Après lui, d'autres visages phares ont suivi, à l'instar de Laurie Pesté, très récemment. Son personnage, Lucie Salducci, est parti rejoindre le serial killer Marc Véry, en cavale. D'autres comédiennes ont aussi annoncé leur départ ces dernières semaines, comme Marisol Fertard, Margot, et Garance Teillet, Jessica. She is a